Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny le Ski. Je suis Master Kenny Lamba, vous savez ce qu'il fait. Ouais, il fait la cire là. Tu dis Charo? Voilà. Je vois que vous êtes des abonnés qui suivent, c'est très très bien ça. Ouais, je sais, je habille tout en rouge. Regarde, je suis en Power Ranger rouge aujourd'hui. Avec le petit t-shirt du Space. Pou, 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 pou. Oh, j'arrête des conneries. On se retrouve pour l'épisode 4. 4 épisodes déjà. Des chiens des abonnés. Je tiens à vous remercier pour les retours sur les vidéos. Elles marchent, mais du feu de Dieu, mais c'est un délire ces vidéos. Parce que je vous cache pas, avant de créer la série, je me suis dit, ouais, je les fais participer, mais si ça se trouve, ils en ont rien à foutre. Et si y a pas Kenny, bah ils vont chier dessus parce qu'ils s'en foutent de moi. Et bah non, ça c'est sympa. Pour savoir ce qu'il faut faire pour m'envoyer les photos de vos chiens par mail, tout est écrit dans la description. Et si jamais vous voulez plus de précision, je vous mets ici l'épisode 2 des chiens des abonnés. Au début de cette vidéo, j'explique vraiment tout en détail pour le pourquoi du comment, comment qu'on fait cette série. J'adore à chaque début d'épisode, je regarde combien il y a de mails comparé à la dernière fois. En général, je prends 200-300 mails entre chaque épisode. Sachant que là, ça fait quoi, un mois que je le fais? Maintenant, ça va faire un mois. Je fais un épisode par semaine et ça me va plutôt bien, c'est sympatoche. 1812 mails, d'après mes souvenirs, la dernière fois on était à 1600. Concernant tous ceux en commentaire qui me disent ouais c'est dégueulasse, moi je suis pas encore passé, ça fait longtemps que j'ai envoyé le mail. C'est pas parce que vous l'avez envoyé qu'il y a super longtemps que vous allez forcément passer les gars. Je le répète à chaque épisode mais j'ai besoin de le répéter apparemment. Je choisis aléatoirement les mails, peu importe la date où ils ont été envoyés, ils ont arrivé, tout ça. Non, c'est le plus pratique pour moi et c'est tout. Voilà, franchement j'ai pensé qu'à moi sur le coup. Wow, bientôt les 2000 mails, wow. Avant de voir les photos des chiens des abonnés, je tiens à parler d'une chose qui s'est passée, qui s'est produite dans le dernier épisode, l'épisode 3, si vous n'avez pas vu, cliquez sur les petits i en haut à droite de votre écran. Il y a eu des accusations de fake de la part d'un des abonnés, hein, qui a envoyé des photos de ses chiens. C'est les trois chiens dans la vidéo, attendez, je vais essayer de les retrouver. C'était ces trois-là. Il y a eu des accusations de fake et bah, elles sont justifiées, mon pote. J'ai vérifié. J'avoue, au début, j'ai trouvé ça légèrement louche qu'il y ait trois races de chiens différentes avec des qualités d'appareils photo différentes. Mais je me suis dit, ah, allez, ça évolue dans le temps, les appareils photo. Même moi, tu vois, entre le début de la chaîne et maintenant, tu vois, il y a une qualité vidéo totalement différente. Donc je me suis dit, pour la photo, il a très bien pu changer de téléphone, changer d'appareil photo. J'ai été con. J'ai été très con. Parce que c'est tout simple. On va aller juste avec la première photo. On va aller dans Google Images. Je vais vous montrer. Ah ouais, donc toi, t'as cherché Google Images dans Google Images. Wouah, je suis un génie. Je déplace la photo vers la barre de recherche. Il a rien trouvé de mieux que de choper une photo sur chiendefrance.com et me l'envoyer en disant que c'était son chien à lui. En fait, au début, je vous explique. J'avais hésité. Je me disais, ça pue le fake. Mais je me suis dit, mais pourquoi il m'enverrait des photos fake? À la limite, je dis son prénom. Mais c'est tout. Des prénoms, tu peux avoir plein d'homonymes. C'est débile. Et c'est pour ça que j'ai quand même réagi à ces chiens-là et que je les ai quand même mis dans la vidéo. Bah, parce que ça me paraissait vraiment trop con. Et après, vraiment, dans les commentaires, on m'a dit qu'ils avaient trouvé ces photos-là sur Google. Après, j'aurais dû vérifier. J'avoue, c'est ma faute aussi. Est-ce que j'aurais dû vérifier comme je viens de le faire maintenant? Je vais pas vérifier photo par photo pour savoir si c'est un fake ou pas. C'est tout ce que j'avais à dire, les potes, par rapport à ça. N'envoyez pas de fake. Ou alors, allez vous faire en cul. Après, il y a un tout petit truc qu'il a essayé de faire, le cumé, je pense, c'est de me faire chier. Je m'en fous. T'as rien changé à ma vie, frérot. À la fin de la semaine, il y aura une vidéo super, mais super méga importante pour la chaîne. Soyez vraiment là pour le coup. Je pense qu'elle sortira dimanche. Soyez vraiment là parce qu'elle est vraiment très importante pour vous, comme pour moi. Et voilà, on va passer à la vidéo maintenant parce que bon, là, on va passer à l'ouverture des mails pour voir les photos de vous, les abonnés. Waouh, super. Super, j'ai choisi tellement le bon moment. Yaoui, il déconne là. C'est quoi le délire? Mais en même temps, pourquoi j'ai choisi une boîte mail pareille aussi? Bon, écoutez, je reviendrai plus tard quand ça marchera. A tout de suite. Me revoilà, c'est bon, ça marche, la boîte mail est au top. J'ai dû attendre quelques temps, mais j'en ai profité pour faire la nouvelle outro de la chaîne. Vous savez, la petite séquence vidéo à la fin de des vidéos, quoi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette nouvelle outro. Elle est plus sobre, elle correspond mieux à la chaîne, tout ça. Et c'est un mail de Léa, dont le chien s'appelle Marley. Et j'ai pas d'autres infos, malheureusement, mais ça suffira amplement, on va dire. Faut que j'arrête de parler comme ça. Ah, t'avais pas meilleure photo? Un mec en short avec le chien qui est en mode il sait pas ce qui se passe, tu vois. Par contre, il est multicolore, la vache. Enfin, multicolore, il est bicolore, mais ça change de partout. Y a pas un endroit stable. On va passer à la suite parce que moi je vois que le gag du chien et ça me perturbe un peu là. Cette fois-ci, c'est un mail de Inès. Oh là là, il est tout petit. Ou alors le carrelage qui est énorme, je ne sais pas. Mais c'est dingue. Il me fait penser, tu sais, au Cerbère. Sauf que lui, il a qu'une tête, il en a pas trois. Mais enfin, je pars dans des délires chelous, c'est mes trucs à moi, tu me connais. Merci à toi, Inès. C'était sympa. Le prochain, c'est un mail de Pauline. Quand je vais dans les stats de la chaîne, il y a marqué qu'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Égalité. On est une chaîne comme ça, on est pour l'égalité, t'as vu. J'ai fait le signe de Jules, je sais pas pourquoi. Mais il y a que les meufs qui m'envoient des photos de leur chien. Moi, c'est Pauline et mon chien, c'est Mango, 15 mois. Je te mets au défi de faire pareil avec Kenny en vidéo. Ah ouais, non. Non, ça, je peux pas. Je vais pas dresser à résister à la bouffe comme ça. Bon, je peux le faire. Si j'enferme Kenny, mais ça va pas plus loin. Merci à toi, Pauline, pour ton mail. Voici un mail de Geoffrey. Je m'appelle Geoffrey, je t'ai envoyé deux photos de ma chienne, Shiba Inu noir et feu qui s'appelle Natsu, et aussi une photo du chien de mon
frère, bulldog français fauve, qui s'appelle Newton. Voilà, continue tes vidéos, tu gères, c'est toujours un plaisir de les regarder. Continue comme ça, vivement, les 100K, oui, oui. Bah merci à toi, Geoffrey. Bah oui, les 100K, bientôt, hein, je pense, hein. Parce que là, franchement, la chaîne, elle a été créée. Bah maintenant, ça fait 5 mois que la chaîne a été créée. Quand vous verrez la vidéo, on sera vraiment pas loin des 70 000 abonnés. Ça se trouve, on l'aura peut-être déjà, tu sais, je sais pas. Mais ouais, voilà, continue à liker, commenter et partager les vidéos un maximum pour faire venir du monde sur la chaîne. Et qu'on augmente la communauté, tout ça, qu'on se la donne. Je sais pas pourquoi j'ai une déformation comme ça quand je parle, je sais pas. Waouh, la dinguerie. Oh, la bogosité de cette chienne. Puis j'aime beaucoup le collier là. Oh putain, mais la chienne elle est trop belle. Putain, à force de voir des chiens en vidéo, je te jure, j'arrête pas de baver en parlant, c'est un délire. On dirait tellement un modèle de peluche. Oui, ça c'est un bulldog, oui. Dernière photo, c'est les deux qui jouent ensemble. Oui, alors ça c'est pas les deux qui jouent ensemble, c'est Natsu qui est en train de péter de jouer. Mais s'il te plaît, c'est à moi aussi. C'est toi, c'est à moi, je te dis. Obéissons, je te démonte. Ah, franchement, j'adore. En plus, vous avez un grand jardin, ça c'est cool. Merci à toi, Geoffrey, pour les photos, c'est super cool. Prochain mail, c'est un mail de Lou. Salut, je m'appelle Lou et là, ce n'est pas mon chien, mais celui de ma tante, Sandrine. La chienne s'appelle Pousse. La chaîne s'appelle Poussy. Tous ceux qui sont un minimum bilingue, voilà quoi. Mais c'est pas des noms à donner à son chien. Ça veut dire aller chaton, tu vois. Minou si tu veux. Mais non. Et là on pourra pas dire que c'est ma faute, hein. Là c'est pas moi qui est vulgaire, ok. Voilà, j'espère que tu continueras à faire tes vidéos avec Kenny. Et bonne continuation. Comme je te dis dans le dernier épisode, on va essayer de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que le kiff s'éteigne, quoi. Tant qu'il y aura du kiff, on fera toujours des vidéos avec Kenny, je pense. Il y aura aussi des vidéos de mon côté. Vous voyez, là je suis tout seul, y a pas Kenny. Kenny il est lointain là. Voyons voir Poussy. Oh, le style. C'est une chienne qui s'occupe de la circulation, ça. Hop, 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 hop. Les voitures. Allez, on passe, on passe. Non, vous, vous restez là. Tu vois, c'est carrément ça, là. En plus, elle est belle, la chienne, hein. On dirait aussi qu'elle est un concierge, genre, en mode put your hands up, comme ça, là. C'est des barres. Bah, écoute, Lou, tu diras à ta tante Sandrine qu'elle a une chienne incroyablement belle, malgré son nom. Prochain mail, c'est un mail de Laura. Salut, je viens tout juste de voir ta vidéo et je trouve le concept sympa. J'ai déjà vu beaucoup de tes vidéos, je retrouve les mimiques de mon chien sur le tien. Tu retrouveras quelques photos de mon husky qui s'appelle Spikey. Je croise les doigts pour qu'il se retrouve dans ta vidéo. Hashtag Team Husky, hashtag Spikey, te remercie d'avance. Eh bah, de rien, mon Spikey, et merci Laura pour ton mail. On va voir ton Spikey tout de suite. Oh, le super beau husky, sérieux. En plus, lui, vu qu'il est plus sombre que Kenny, ça fait ressortir à la mort ses yeux. C'est génial, ça. En plus, t'as l'impression qu'il s'est maquillé autour des yeux, là. Les poils noirs autour, c'est génial. Je te jure, tu le regardes dans les yeux, il peut t'hypnotiser. Merci Laura pour ton mail. On va passer au mail suivant. Prochain mail, c'est un mail de Charlotte. Hey, voilà Body, un petit croisé que j'ai adopté dans un refuge cet été. Il fête ses 17 ans. 17 ans! La vache. Il tient la vie, le chien. Abandonné dans la rue en très mauvais état après deux opérations, il est comme neuf. Star en devenir, il a son compte Insta perso. Alors bah, Swatch Boy Body. Bah écoutez les gens, si vous voulez aller voir le chien sur Instagram, allez-y. Attends, what? Il a 17 ans lui. 17 ans moins 20, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il a l'air tout neuf. On dirait un tout petit chiot. Enfin, il a même pas l'air vieux. Alors qu'il a été abandonné dans la rue, il était en très mauvais état et tout. Puis il est très très beau. J'aime beaucoup le tirage de l'angle. Très joli chien, Charlotte, hein. Body. Salut, voici Inouk. Il a le démon en lui en course. On a une chaîne YouTube où l'on fait des vidéos plutôt cool pour donner envie de faire du canicross sur ses mains. On va voir la photo après, j'irai faire un petit tour sur ta chaîne, tiens. Ah oui, ouais. Ah, c'est un husky en plus. Ah ouais, il a le démon. Mais on dirait trop le husky méchant dans Balto, c'est débat. Attendez, on va faire un petit tour sur sa chaîne pour voir. Canicross Alp Monster. On va voir ça. Ah ouais, d'accord. Tu sais, j'étais vachement content de l'amélioration de mes vidéos là. Ah ouais, mais non. C'est quoi ça? Avec le drone. Oh, mais c'est stylé à la mort. Oh putain, vivement que j'ai un drone. Oh, c'est stylé ça. Oh, le décor. Oh, la vraie caméra, quoi. Oh là 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 là, le husky, il est trop beau. Eh, franchement, ça se voit quand même que ces lieux de tournage, ça ressemble pas à ma banlieue dégueulasse, tu vois là. Ouais. Ça m'a fait complexer sur mes propres vidéos là. Bon, les abos, vous avez une mission dans cette vidéo là. Allez directement vous abonner à la chaîne d'Inouk Canicross. Parce que moi, vous avez déjà vu, hein, je peux pas faire du très bon Canicross avec Kenny. Je fais même du très mauvais Canicross avec Kenny. Allez vous abonner à la chaîne de Inouk Canicross. Je vous mets le lien en description, franchement. Moi aussi, je m'abonne, tiens. T'es fou. La qualité, elle était tellement bonne là. Mon doigt, il a ripé comme ça, j'étais obligé de m'abonner. En plus, sur leur chaîne, ils ont déjà le matos pour filmer des bons plans en drone, tout ça. Moi, je l'ai pas encore. Je l'aurai grave plus tard dans l'avenir. À la base, je voulais juste regarder des photos de chiens d'abonnés. Là, je me sens pas bien dans ma peau là. C'est tellement le genre de vidéo que j'aimerais faire, tu vois. Genre, laisser vraiment parler l'image, la musique, tout ça. Prochain mail, c'est un mail de Ella. Coucou, voici des images de mon chien Gaston qui a 5 mois. Oh, mais c'est trop mignon. Ah, j'adore la patte qui dépasse. Les pattes des animaux, genre chien, chat, c'est trop mignon. T'as envie de tripoter, quoi. Soyez pas pervers. Je parle d'un chien là, calmez-vous. Bah, merci à toi, Ella. C'était vraiment un superbe chien, Gaston, qui est un petit chou en plus. Il a 5 mois. Prochain mail, c'est un mail de Lisa. C'est la première fois que je vois Lisa écrit comme ça. L-Y-S-A. Une photo de mon chien Pancho qui nous a quitté à l'âge de 17 ans. C'est un braque de Hongrie à poil long. On l'a récupéré à la SPA. Bah, écoute, Lisa, merci à toi et mes condoléances. Mais 17 ans, bientôt 18, c'était vraiment une très longue vie quand même pour un chien. Oh, oh, Pancho. Ce chien-là, Pancho, il avait une tête de chien. Tu sais, c'est le maître qui t'apprend à
à maîtriser ton chakra, qui t'apprend la vie, tu vois. Par contre, les poils là, c'est ses oreilles ou c'est des poils trop longs, je sais pas. Merci à toi, Lisa, c'était vraiment un très beau chien. Prochain mail, c'est un mail de Morgane. Salut, moi c'est Morgane et voici mes deux chiens, Elmer Labrador Noir de 8 ans, Isis Shih Tzu. C'est franchement ce nom, déjà, j'arriverai jamais à le dire. De tout juste 4 ans. Ouais, je vais pas pouvoir beaucoup juger ça parce que je vois pas très bien. Et si tu crois que c'est fini. Oh, mais son poil. Oh, mais il est magnifique. Oh, la photo prise au trop bon moment, quoi. Ça s'est léché le museau au calme, il y a quelqu'un qui prend une photo. Merci à toi, en tout cas, Morgane, pour tes chiens. Ils sont vraiment très, très beaux. Bon, dernier mail, parce que bon, je commence à avoir la flemme, là. Coucou, Master et Kenny, je vous écris pour vous présenter mon chien qui s'appelle Rex. C'est un labrador dont je m'occupe, que je considère comme moi, mon chien. Wow, donc, Rex est un labrador de 12 ans. Je l'ai connu quand il avait 9 ans, en 2015 à peu près. Mais il a une bien triste enfance. Oh, je galère à lire. Oh, ah, ah, ah. Attardé. Rex a été maltraité de violence que j'ai pas les mots. Franchement, oui, ça se voit que t'as pas les mots parce qu'il manque vraiment des mots dans tes phrases et ça me fait galérer à lire en fait. La vache. Je te jure, si je regarde bien loin dans mes ancêtres ou dans ma famille, tu vois, il y a moyen qu'il ressemble à un des gars de ma famille. Oh non, il a le regard de Depardieu un peu. Je sais pas si c'est un compliment ça. Oh, il est stylé le chien. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la nouvelle outro là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos chiens par mail. Évitez les fakes, hein, on en a parlé au début de vidéo. Faites pas les gros cons, hein. Merci. N'oubliez pas d'exploser les likes, de commenter et de partager la vidéo. C'est vraiment super important pour la chaîne, les potes. On est déjà quasiment 70 000 sur la chaîne. C'est un délire. Vous êtes vraiment les meilleurs. Continuez ainsi. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux. Ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, les amis, comme d'habitude, c'était un super kiff de vous tourner cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye. I swear I could do better if you let me.